Hey, veux-tu bien me dire comment tu fais pour trouver ça intéressant, ces articles-là? Ça n'a pas de bon sens, ça. 10 techniques infaillibles de séduction. Arrête donc de chialer, chaton. T'as-tu lu l'article sur Maryse? Non, c'est pas un article sur Maryse. Il y a juste 2 paragraphes sur elle. Encore une fois, elle fait un drame pour rien. C'est parfait, ce qu'ils disent. Ben, elle m'a l'air intelligente, un vrai miracle. En tout cas, moi, je serais bien fière qu'ils parlent de moi dans cette revue-là. Question de temps. Un jour, tes modèles vont se retrouver en pleine page là-dedans. T'es fin. As-tu des nouvelles de François? Non. Puis je suis presque inquiet. J'ai l'impression que Jorgen le travaille pas mal. Ben, il y a de quoi. T'as-tu vu le mâle? Ben, wow, minute, là. Il est pas si extraordinaire que ça. Tous les Hollandais mesurent 6 pieds et plus. C'est génétique. Ils ont tous les cheveux blonds aux yeux bleus. C'est héréditaire. Jaloux. Moi, jaloux? Mm-hmm. Pas en tout. Mais je comprends François. Je l'ai pas vu de la semaine. Pas venu au hockey. Peut-être partir à son chalet. Ou encore se faire une chirurgie plastique en Hollande. De toute façon, François, c'est pas le genre à se laisser mourir d'amour. À se laisser mourir d'amour, non. Mais à celui-là à mort, oui. Ben, tu iras le voir demain matin. Tu vas tout savoir. Bonne idée, ça. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée aux Deux Pierrots. Une fois de temps en temps, c'est drôle. Oui, c'était super. Les gens qui dansaient partout, très chaleureux. J'aime beaucoup Montréal. Hey, j'ai réussi à rejoindre mon ami John. Il arrive bientôt et on part pour la Californie. Tu devrais venir avec nous. Hmm? Tu veux prendre des belles photos? Ça serait cool ensemble, hein? Comme à Paris. Jorgen, Paris, c'était Paris, mais là, c'est fini. Je te l'ai déjà expliqué. Les vacances, c'est les vacances, c'est pas la vraie vie. Puis ma vraie vie, à moi, ben, est ici. Avec François. Lui, pour ce que j'en sais. Toujours pas de nouvelles? Non, monsieur ne retombe pas ses appels. Tu es triste? Je suis pas triste, t'en maudit. Je regrette. Je le savais que tu avais un amoureux ici. Tu me l'avais dit à Paris. Un amoureux? J'ai dit ça. Oui, c'est pas vrai. Oui. Ben, non. Oh, c'est compliqué. François, c'est pas vraiment un amoureux officiel, mais c'est quand même quelqu'un d'important pour moi. Ah, puis oublie donc ça. Qu'est-ce que tu fais demain? Je me promène. Le Mont-Royal, peut-être. Mmh? Tu viens avec moi? Non, je peux pas. J'ai un contrat, des photos de mariage. Mais si je reviens pas trop tard, on sortira. Je vais t'amener dans des places encore plus hautes. Cool. J'ai eu une fringale subite. Il en reste-tu? Oui, sur le comptoir. Wouhou! Comment ça s'est passé ce soir? Ouf! Difficile. T'as pas un public ben ben drôle. Ben, une gang de sauvages qui criaient, qui hurlaient, qui écoutaient rien. Mais ils voulaient juste des tunes connues. À un moment donné, Stéphane, cette année, le Ben a joué. Ah, la danse et des canards, puis il y a sorti de plan. T'aurais dû voir le gérant, il était comme pas content. Oh, c'est plate, ça. Bon, pas vraiment. Il y a mon temps pour retourner là. De toute façon, on a un contrat demain. Ça a l'air d'être une place pas mal de fun. C'est un jeune qui tient ça. Il vient juste d'ouvrir. Viens donc, hein? Isabelle et Lou vont peut-être être là. Oui, donc. Ben, je vois Isabelle demain, je vais y en parler. Flop. Bon morceau? Non, merci. Alors, j'ai pris 5 livres dans le dernier mois. Voyons donc.
T'es grosse comme un fil. Ils sont où, tes 5 livres? Ben, si tu vois pas, je peux pas te le dire. Si tu veux mon opinion, moi, je pense qu'ils sont là. T'es super, Marie. T'es belle. Moi, je vais aller me coucher. Je commence de bonheur demain. T'es sûr que tu veux pas un autre morceau? Certaine. Bon, ben. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu peux me dire que c'est qui te prend de venir me réveiller en plein milieu de la nuit, toi, là? Il est 10h du matin. J'appelle pas ça la nuit. Ben, ça fait quand même pas longtemps que je me suis couché. Passons cet après-midi. Ah non, quand même mieux que ça. On repasse ce soir, on va aller aux danseuses, tous les deux. As-tu passé la semaine-là, coudon? Je t'ai appelé bien des fois, là, pis t'étais jamais là. Mm-hmm. Bien occupé. Tout pète en même temps, là. Les gars ont travaillé bien fort, fait que pour les remercier, je les ai amenés aux danseuses cette semaine. En fait, on y était tous les soirs. Il y en a une, mon gars, là. Anita, qu'elle s'appelle. Oh, boy, boy. Écoute, tu fais ce que tu veux, là. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis juste venu voir comment t'allais. Bon, à part le bloc puis le mal de bloc, numéro un. Il est douce. Si tu veux absolument sortir à soir, là, pourquoi tu viens pas avec moi à la place? De haut, Linda Rock donne un spectacle. Michel est content quand on y va en gang, ça l'encourage. Oui, Michel. Ouais. Il est bien correct, mais il est pas de taille à compétitionner contre les charmes d'Anita. Hey. T'as dit, elle vient d'une autre planète, cette fille-là. Ça se peut pas, des filles de même. Je suis à tout. Elle me veut, hein. Elle sait, elle va me donner son numéro de téléphone à soir. Moi, je le sens, elle le pif pour ça. Mmh. Le pif, tu l'as, c'est le cerveau que t'as pas. Et donc... Arrête de faire l'épée, là. T'as passé l'âge à aller flouber ta paye aux danseuses. Mmh. Tu penses pas que tu serais mieux de parler à Gabrielle puis tirer ça au clair plutôt? Qu'est-ce que Gabrielle, elle vient faire là-dedans, là? Tu sais bien. Moi, je te donne juste un petit conseil. Agis avant qu'il soit trop tard. Hey, Martino, mec, j'ai besoin de tes conseils, OK? Je te ferai signe. En attendant, tu te mêles de tes affaires, ça marche, hein? Gabriel. Comment ça va? Ça a l'air d'aller. Sa grande tulipe, là. Jorgen? Ouais. Il va bien. Il est venu le présenter au début de la semaine, puis il est passé faire un tour à la clinique avant hier. Puis toi, tu as fait visiter ta clinique? Ben oui. Ben oui. Vas-tu prendre une bière aussi avec des fois? Hey, tu fais pitié, Dion. Y as-tu parlé à Gab depuis que lui est ici? Non, non, pas le temps, là. De toute façon, je veux rien savoir. Ben, si tu veux vraiment plus rien savoir de Gabriel, tu fais exactement la bonne affaire. C'est parfait, François. Laisse toute la place au beau Jorgen. Très brillant, très, très brillant. Hey, tu commences de bonne heure à être baveux le matin, toi? Tu l'as vu comme moi, le viking? Que je fasse n'importe quoi, mon chien est mort. Ben, je suis pas si sûr, moi. Je les ai vus ensemble, là, puis j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Tu veux un café? Oui, donc. Ah ouais, bretteuse! Faut partir de bonne heure, là, si on veut faire une bonne récolte. Puis j'ai vu une belle petite robe ajustée pour toi. Non, 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 je m'achète pas de robe ajustée, certain. M'as-tu vu? J'ai assez engraissé. Oh, Maryse, franchement. C'est vrai! J'ai jamais mangé de même de ma vie. Je me relève la nuit pour bouffer. T'es-tu enceinte? De qui? Saint-Esprit? Non, non, c'est plutôt le contraire. Je me trouve pas une amant bientôt, je vais devenir obèse. Ben oui, obèse, à force de manger ton oreiller de frustration. Hmm. Non, non, c'est pas des farces. Ça a pas de bon sens. Hier soir, là, je lisais une revue. Ben, je me suis mis à fantasmer sur un gars dans une annonce de bobette juste parce qu'il avait un beau torse. Tu vois, j'en suis rendue, imagine. Oui, bien temps. On va te changer les idées en commençant par te trouver une robe. Allez, hop! Gabrielle est-il ici? Non. Non, elle travaille dans un mariage. Salut. Salut. Tu diras que je suis venu. Oui. Ben, peut-être que tu peux lui laisser une mot. Ouais. Elle habite ici.
Ah ouais, je sais ce qu'elle habite ici. Non, je veux dire, elle couche ici. Moi, je couche en bas. En bas? Oui. Ah ouais? Tout le temps, hein? Oui. Oui, pour quelque temps encore. Je m'en vais bientôt en Californie avec une amie. Ah ouais, en Californie, toi. Que donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles pas, toi? Je fais une année sabbatique. Je voyage, je visite les églises. Ah, les églises. Tu veux devenir curé? Non, non. Architecte. Et je fais ma thèse sur l'influence de l'art gothique sur l'architecture religieuse mondiale. Passionnant, ça. Oui. Oui, ça permet de voyager, de rencontrer des gens très sympathiques comme Gabriel et son père. Gabriel est très doué en photo. Elle m'a fait des très belles photos en France. Très utile pour ma thèse. Ouais. Les fameuses photos, là. C'est comme ça que vous êtes rencontrés? Oui, oui, à Notre-Dame. Elle prenait des photos des portails, je l'ai bousculée. Elle m'a engueulé avec son drôle d'accent. Moi, j'ai absolument rien compris, mais je l'ai trouvée très amusante. Et pour me faire pardonner de l'avoir bousculée, je lui ai payé à dîner. Et comme on s'entendait bien après, on a décidé de voyager un peu ensemble dans son auto. Non, mon char. Char? Ah ouais, char, tu sais, une voiture, une bagnole, vroom vroom, le... Ouais, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est moi qui l'avais payé. Oui, elle me l'a... Je le sais, elle me l'avait dit. Elle m'a parlé souvent de toi. Bon, je dois y aller. Je visite l'oratoire Saint-Joseph aujourd'hui. Tu diras bonjour au frère André. T'as un frère à l'oratoire? Oui. Ah oui, un frère, oui, oui. Tu vas voir, on est pareils, tous les deux. Ouais, le cœur, c'est la main. Pas très jasant, mais toujours là. Parfait, parfait. Je ferai le message. Ça marche. Moi, ça, je l'ai toujours dit. Salut. Est-ce que t'as fait de si génial que ça aujourd'hui, toi? J'ai appris à Maryse à magasiner dans une friperie. Hmm? Magasiner est un art et ça s'apprend. Oh, jamais rien, moi, d'habitude, dans cette place-là. Alors, regarde. T'as fait une vraie radio? Oui, je t'ai même trouvé quelque chose. Regarde. Ta-da! Je suis pas sûre, Isabelle. Tu me vois aller travailler avec ça? Constantin va faire une jaunisse. Mais non, c'est pas pour aller travailler. C'est pour sortir. Tu pourrais me mettre ce soir, hein? Ça serait drôle. Il me semble que tu serais tellement beau là-dedans, chaton. Hmm? Mmh, ben oui, chaton. Mmh. Moi aussi, je me suis acheté quelque chose de pas mal flyé. Et je vais l'étraîner ce soir. Tu viens? Oui, c'est Michel qui me l'a demandé. Je suppose que plus on est fou, plus on rit. Mmh. Mmh. Et en parlant de fou, on pourrait peut-être demander à François de venir avec nous autres. Mmh? Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis à quatre. Il va pas. Quoi, tu l'as vu? Oui, ce matin. Puis, comment il va? Pas fort. Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade? Malade de jalousie, oui. Le beau Jorgen, il rentre dans l'ego pas mal. Jorgen? Ben oui, c'est le gars que Gabriel a rencontré en Europe, là. Ben, il est ici, il reste en bas. Oh, François doit pas trouver ça drôle certain. Je vais le comprendre pour avoir le goût de sortir. 4 ans de psychologie pour comprendre ça? T'es forte. Remarque qu'il y a de quoi être jaloux. Hein, c'est un beau morceau, le beau Jorgen. Tu sais, Maryse, le genre de gars qui pourrait faire une publicité de bobette. Ah oui? Mmh? Oh, il aimerait peut-être ça, venir avec nous autres ce soir. Mmh? Ce serait fin de l'inviter. Mmh. Oh, comme ça, tout seul, dans un pays étranger. Il semble que c'est fin quand il y a du monde de la place là, qui font visiter les endroits intéressants. Gabriel s'en occupe. Ouais, mais peut-être qu'elle est tannée de jouer au guide touristique. Gabriel, c'est pas la patience incarnée. Bon, où est-ce que tu vas en venir, là? Ouais? Mmh. Nulle part. Je veux juste me montrer sympathique face à un pauvre touriste isolé. Arrête, tu vas me faire pleurer. Bon, OK. Mais c'est toi qui l'invite. Moi, je veux rien avoir à faire là-dedans. Et si François apprend que... C'est parfait, je l'appelle. Ouais. Ça a l'air dur un mariage.
morte. Chance que c'est payant parce que c'est plate à mort. Est-ce que la mariée était belle au moins? Ah oui, c'était bien original. Elle était habillée en blanc. T'es donc bien chic, toi aussi, tu t'en vas? Au restaurant avec Louise. Allez-vous terminer la veillée ici? Je peux m'arranger pour pas être là. J'aime autant pas prendre de chance. Bye! Qu'est-ce que tu vas faire? L'amener à l'hôtel? C'est pas de tes affaires. Pas besoin de te reposer, t'as la crevée. Ah, salut. Salut. T'as passé une bonne journée? Je suis morte. Mets-tu une barre de jus? Ah oui, s'il te plaît. Bonne Mont-Royal. Super. J'ai visité l'oratoire Saint-Joseph. Tu dis bonjour au frère André? Oui, je sais, il est mort maintenant. François m'a fait le même gag ce midi. T'as vu François? Où ça, ici? Oui. Puis qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est passé pour te voir. Il se décide, là, tout d'un coup. Ça fait une semaine qu'il m'a pas parlé, puis là, il ressuscite. Il est très gentil. François, gentil. Mm-hmm. Pour moi, tu comprends moins le français que je pensais? Non, vraiment. Tout de suite, il était plus... comment dire? Plus content quand je lui ai dit que tu couches ici et moi en bas. Ah, bon. Il a dû être plus content, en effet. Est-ce qu'il a dit qu'il reviendrait? Non. Mais il a dit que il voulait te voir. Oui, allô? Ah, salut Isabelle. Ah, ouais, je suis un peu fatiguée. Je me suis tapé des noces après-midi. Ah, non, t'es bien fine, mais ça me tente pas. Ah, oui, Jorgen, peut-être. Attends, je te passe. Oui, allô? Oui, salut Isabelle. Ça m'a beaucoup plu. Ouais, right. C'est belle. Ah, j'aime ça, mais je peux pas vraiment dire que c'est bien mon style de musique. Et toi, Maryse? Hein? Tout à fait mon style, oui. Ouais, bon. Oui, on va aller danser. Bonne idée! Ah. On va aller prendre une bière. Est-ce que tu restes encore longtemps ici? Probablement une semaine ou deux. Ensuite, la Californie. Oh, chanceux. As-tu déjà voyagé, Maryse? Pas beaucoup. Je suis jamais allée en Europe. Mais j'aimerais ça, par exemple. Si tu veux, l'été prochain, je te fais visiter mon pays. L'été prochain, tu ne viendras même plus de moi. Tu n'es pas le genre de fille qu'on oublie facilement. Veux-tu danser? Avec plaisir. Rémi a l'air de trouver Jorgen pas mal de son goût. Tu penses? T'es pas l'innocent. Et tant mieux, ça marche. Moi, je fais ça pour François. Hein? On va être content si Jorgen est occupé ailleurs. Pour François? Ben, pour Maryse aussi. Elle est en manque de peau. Ça va lui faire du bien. En tout cas, avec Jorgen, il va avoir moins de la peau en masse. Ah, je vais aller aux toilettes, moi, avant que ça recommence. Oh, j'y vais avec toi! Est-ce que c'est pareil chez vous? Je veux dire, est-ce que les filles ont toujours besoin d'aller aux toilettes ensemble? Je pense que ça doit être un phénomène universel. Génial, moi. Il est vraiment bon. Il est gentil. Oui. Il dit qu'il veut me faire visiter la Hollande l'été prochain. Wow!
Je fais rien, une petite visite guidée du petit Hollandais avant, par exemple. Je pense que ça fait partie du programme touristique, moi. Oh, je vais pas avoir l'air de me jeter sur lui, quand même! Mais il a pas l'air de dire ça, hein? Pour moi, tu peux mettre ses sabots en dessous de ton lit n'importe quand. Pas le premier soir, quand même. Je ne suis pas celle que vous croyez. Max, il est pas ici pour 6 mois. T'as bien raison. OK. Dans votre Pontigny, ce bungalow est pourvu de notre toiture neuve refaite il y a 1 mois. L'aménagement intérieur offre 4,5 pieds au rez-de-chaussée. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. Tu retournes pas tes appels? J'avais pas le goût de te parler. OK. Salut. Attends, Gab. Hey, Gab! Rentre. Pourquoi t'es venue chez nous cet après-midi? Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici ce soir, là? J'ai posé la question en premier. OK. J'ai été chez vous parce que... parce que Louis m'a dit que tu t'ennuyais de moi. Ah ouais. Jorgen m'a dit que c'est toi qui t'ennuyais. Il n'a rien compris. Il n'y a pas juste lui qui comprend rien. Tiens. Je t'ai apporté quelque chose. C'est quoi, ça? Un bulbe. Avec du soleil et de l'eau, il y a une belle tulipe qui va pousser. Ça va te donner le temps de comprendre que Jorgen, c'est juste un ami. Un point, c'est tout. Je suis épais. Ouais. Ouais. Tu m'aimes encore? Non. Parfait. Mm-hmm.